Notre aventure débute silencieusement au petit matin. Les voisins apprécient sûrement qu'on soit en mesure de faire nos manœuvres d'appareillage sans avoir besoin de se parler. Ah, un visiteur! On salue le capitaine du Slocum, une goélette traditionnelle en bois. La buée est en dedans, elle est même pas dehors! Il y en a dehors! Première sur la Slancha, après deux ans de recherche, parce qu'on l'avait perdu quelque part à bord, un an de recherche. On l'avait pas perdu à bord? J'ai trouvé mon gros minel, il était pas perdu à bord, il était perdu dans la maison. Dans le sous-sol? Puis mon leurre. Lui, il était perdu à bord. Oui, lui, il était perdu à bord. C'est toi qui étais perdu, que tu verras. Donc, tu sais qu'on avance pas vite aujourd'hui. Pour une première fois, on va essayer de pêcher à la traîne. Puis sinon, si on pogne rien, ben pas de souper. Dans la zone en aval du pont, on a le droit de pêcher sans permis de pêche. C'est-tu assez fin? Mais pas le saumon de l'Atlantique. Non. Il faut quand même s'informer. Il y a des espèces de poissons protégées. On ne peut pas pêcher n'importe quoi, n'importe où, ni n'importe comment. À quel point ben là? Regarde, ou la laisse là, ça coûte rien. En fin de semaine, c'est la fête du Canada. Bonne fête Canada! Donc on se souvient qu'il y a deux ans, c'était la fin de semaine où on pensait aller faire un petit tour tranquille. Puis que finalement, ça a donné l'épisode... Péril en mer! 13 heures de navigation pour aller nulle part. En fin de semaine, ça va vraiment être une fin de semaine tranquille. On s'en va juste à Berthier-sur-Mer, 21 000 nautiques de Québec. On est vendredi, on est en train de descendre doucement en moteur parce qu'il n'y a pas de vent, il y a de la brume, il y a de la fumée des feux du nord du Canada. Demain, on fait la visite de la grosse île qui est l'île de la quarantaine pour revenir dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche, pour être sûr d'être arrivé pour le déjeuner des membres du parc nautique Lévis. Oh yeah! Il y a effectivement de la brume, mais elle est mélangée à la fumée des feux de forêt qui sévissent un peu plus au nord. Les vents vont la transporter jusqu'à New York, remplissant l'air de particules fines. Faut tout me dire, hein? Faut tout me dire, hein? Filme-lui, filme-nous! Le seul qui a l'air dramatique ici, c'est le capitaine. Est-ce qu'on va tous se croiser en même temps? Est-ce qu'on a assez de place? Les curieux marins survivront-ils? Vous saurez ça la semaine prochaine.
ben, quand le bateau de croiseur va passer devant nous, Ce croisement semble banal, mais lorsque nous avons pris connaissance qu'on serait pris entre un montant et un descendant, on s'est tenu à droite dans le chenal pour leur laisser le champ libre. Ils doivent tous être endormis. Quand même de bonheur. Oh! Oh, t'as pogné de la whiz, minou! Oui, j'avais dit que c'était un poisson. Mais là, franchement! T'as pogné de la whiz! Ce soir, on mange végétarien. T'aimerais-tu ça, faire une croisière sur un bateau comme ça? Ben, j'aimerais ça faire une croisière, mais je sais pas si c'est celui-là que je voudrais, là. Un jour, peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Être sur un bateau pour pas être le capitaine? Non! Ben non, mais elle voulait des belles robes de soirée, des tuliers à talons hauts, aller danser. OK. Bon, tu vois, quand je parle ton langage, tout va bien. Sous ses allures sympathiques et tranquilles, ce bateau de croisière nous offre une petite surprise. Et finalement, la brume et les curieux marins lèvent les voiles. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am? C'est surtout pour montrer nos voiles, ben oui, qui sont bien alignées, tellement là, que je tiens même pas la barre, puis on avance en ligne droite. Puis Gaston n'est pas allumé. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Pendant que t'es encore sous le coup de l'émotion, t'es mouillé. Il y a un monsieur une fois qui m'a dit que son drone il l'avait appelé Nemo. Parce qu'il dit on sait tous que le drone va finir par ramasser à l'eau. Ben le mien. On sait juste pas quand. On sait juste pas quand. Ben là maintenant je peux te dire moi c'est le 30 juin 2023. Donc le drone est parti tout croche pour je sais pas quelle raison. J'ai fait le. Il a décollé droit puis il s'est tassé vers la gauche même si je touchais pas aux manettes. Puis ben il était pogné en haut au bas. Puis là ben, il est dans le fond de l'eau. C'est comme quand tu descends du quai. Ah, oh, j'ai su ça, tout le monde. Je sais, mais tu vois, l'eau est bonne. Ok. Tu vas là? Ben oui. T'es capable, t'es capable. Après une petite baignade à l'île des Belles-Chasses, la marée est suffisamment haute pour nous permettre de rentrer au Havre de Berthier.
C'est toujours un plaisir de revenir à Berthier. C'est le jour J, on se place pour l'embarquement pour Grosse-Île et le Mémorial des Irlandais. Alors, on va faire notre petite visite. Aujourd'hui, c'est la fête du Canada en plus, 1er juillet. C'est gratuit, mais pas le bateau. La traversée, là. Juste l'autre bord, c'est gratuit. Fait que sachez-le, les parcs Canada sont gratuits 1er juillet. Ce matin, un dériveur intégral, donc un voilier qui n'a pas de quille, de 61 pieds, est entré pour s'échouer en attendant la prochaine marée. Il a causé toute une émotion. C'est impressionnant. C'est une croisière Amel qui nous amène jusqu'à notre destination. La conduite et l'animation est assurée par des membres de la famille Lachance. Cette famille fait partie depuis plusieurs générations de la navigation et de l'histoire de l'archipel de l'île aux Grues. C'est intéressant de les entendre raconter l'histoire. Surtout celle du grand-père qui, pour courtiser sa douce, doit se rendre en canot d'une île à l'autre. La Grosse-Île était une station de quarantaine de 1832 à 1937. Tous les navires entrant sur Québec devaient s'y arrêter. C'est à la fois un parc national, un lieu historique et un mémorial. Dès notre arrivée, on est plongé dans l'époque par les personnages représentant le personnel de l'île et les immigrants de passage. L'île est séparée en trois secteurs, les hôtels, le village et les hôpitaux. Bien que plus de 4 millions d'immigrants de 60 pays différents sont passés ici, c'est surtout la tragédie des 6 000 Irlandais décédés en 1847 et 1848 qui marque l'endroit. Séparés par petits groupes pour faciliter la visite, nous commençons par le secteur des hôpitaux. Dans ce secteur, il ne reste qu'un seul bâtiment d'origine, appelé le lazaret. C'est dans ces bâtiments qu'entassés les uns sur les autres, les gens étaient soignés. Le bâtiment nous remplit d'émotions avec ses graffitis et inscriptions laissés par les malades de l'époque. On pensait que la couleur rouge aidait dans le traitement de la variole. On repart vers le village où habitait le personnel. Un petit arrêt à l'église nous en apprend plus sur cette communauté insulaire. Enfin! Si c'est pas ma chorale qui s'en vient répéter à la chapelle! À la claire fontaine, m'en allant promener. À la claire fontaine, m'en allant promener. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée.
et trouvez-le aussi belle que je m'y suis. On termine avec le secteur des hôtels. Il y en a trois qui correspondent aux classes des voyageurs à bord des navires, première, deuxième et troisième classe. La croix celtique a été érigée en 1909 en mémoire des Irlandais qui ont péri sur l'île. Sous la croix, trois textes sont présents. Si ceux en français et en anglais témoignent de la tragédie et se terminent en mentionnant « Dieu sauve l'Irlande », celui en gaélique se veut plus revendicateur. Les enfants des Gaëls sont morts par milliers sur cette île, ayant fui les lois des tyrans étrangers et une famine artificielle dans les années 1847-1848. La bénédiction loyale de Dieu sur eux. Que ce monument soit un gage à leur nom et à leur honneur des Gaëls d'Amérique. Que Dieu libère les Irlandais. C'est avec la lueur rouge de l'écran du iPad qu'on est parti de Berthier-sur-Mer à 1h du matin pour retourner doucement vers le célèbre parc Natif-Lévy, là où on a notre port d'attache. Le capitaine est à la barre. On manque un petit peu de luminosité, mais c'est vraiment magnifique. On a les lumières du Mont-Sainte-Anne qui sont toutes illuminées pour nous. J'aimerais bien sûr vous le montrer, mais pas assez de lumière pour que le téléphone capte. Et puis... Parce qu'il fait noir comme dans le cul d'un ours. Comme dans le cul d'un ours. Ou bien comme chez Liob, comme on dit par chez nous. Je sais pas si c'est vous chez nous, mais en tout cas, ça a l'air qu'on dit ça. Et on retourne doucement au parc Natif-Lévy parce que demain matin, il y a un sublime déjeuner qui nous attend. Alors, rien de trop beau. On profite de toute occasion. Puis en même temps... C'est correct qu'on va en faire de la navigation de nuit pendant nos vacances. C'est une bonne petite pratique, hein, mon capitaine? Faut s'en remettre dedans. Faut s'en remettre dedans.